cour. Que reprochez-vous à Dame Kouadio? Faites rentrer Jonathan Morrison. Apparemment, monsieur le procureur, monsieur le jury, on va lire d'abord les choses. Apparemment, Jonathan Morrison vient de la même famille que Kouadio. La cour. Où est Dame Kouadio? Monsieur le procureur, Dame Kouadio est sans papier. La seule femme. La seule fille en France qui avait 16 ans d'Europe. Avec un enfant français puis qui avait 16 ans sans papier en France. La cour, elle est bloquée en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas entrer. Le procès peut continuer. Ok, que reprochez-vous à Dame Kouadio? Bonsoir. On est plus de 400 personnes ce soir. Alors, chers amis, j'aimerais vous annoncer ce soir que il y a une citation directe en cours contre Emmanuel Keïta. Oui, une citation directe qui sera faite depuis la France, précisément à Paris, contre Emmanuel Keïta pour mensonge abusif. Pour mensonge. Pour mensonge. Pour mensonge abusif. Je vais vous expliquer, laissez-moi en rire d'abord. Elle est arrivée au degré de mensonge où elle va comparer devant la justice pour moi. Un jour, tu as tombé sur quelqu'un. Un jour, tu as tombé sur quelqu'un. Quoi, Dieu ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Il y a son assis, viens, tu es là, tu es là. Il y a eu, c'est mieux, vous voyez, c'est là qu'elle est là. Elle parle. Mais elle a envie de faire. Il y a dit à Kouadio qu'un jour, c'est ça. T'as dit donc Kouadio, oh Dieu là. Si elle a parlé, oh Dieu là. Soit qu'elle allait faire quelque chose contre elle, elle ne parle plus beaucoup. Elle se rend dans la justice. Demain, elle va te rendre folle si tu continues. Donc, Emmanuel Keïta a une citation directe en cours. On va prendre le sérieux maintenant. Voilà, pour diffamation et dissimulation de travail au black. Voilà un peu. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. En fait, en effet, Emmanuel Keïta en question a rompu sa collaboration avec Laurence Aglams, une résidente ici en France, ici, voilà, qui était avant la directrice de communication de Kouadio, que Kouadio nous a présenté. Il y a des vidéos qui sont là sur les chaînes de télévision, il ne voit rien en question. Voilà. Donc, on était assis là et il y avait Kouadio a fait un post pour dire que sa cuisinière, elle a ouvert la porte à sa cuisinière chez elle à la maison. Elle a ouvert la porte, elle a nourri sa cuisinière. C'est-à-dire que elle, Kouadio, elle avait une employée ici qui préparait pour elle. Et la fille en question allait signaler ses enfants à donner son adresse à ses premières diffamations. Moi, je vous préviens, je ne m'aime pas chez quelqu'un. Personne ne me nourrit en Côte d'Ivoire là-bas. Si vous voulez aussi prendre le pays, puis charger, si vous n'y puis courir, ça, il n'y a rien à foutre. En charger pays Côte d'Ivoire, et puis charger pays la France, là, qu'est-ce qui est mieux? Je charge déjà la France matin, puis je cours à la France déjà. Il n'y a rien à foutre. Donc, ce jour du poster, là, je serai celle-là qui va aller témoigner. Oui, oui, au nom des Ivoiriens. Ce que vous avez fait à l'oreille, c'est là. Moi-même, là, j'ai tout pris. Oui, ils ont écrit, ils ont mis une photo de Laurence, et puis ils ont mis Teisson et Emmanuel Keïta. Moi-même, j'ai fait les captures. Je vous préviens même, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonné, ne soyez pas choqué. Parce que quand vous faites des bêtises, là, après, vous êtes choqué. Oh, la sorcière. Moi-même, j'aime le rôle de la sorcière en question. Ce rôle-là que je me suis attribué sur Facebook, ça me plaît. C'est pas vous qui me bénissez, c'est Dieu qui me bénit. Ça est dans ma vie là, vous pesez pour zéro. Si vous tentez, je dis bien, si vous tentez d'aller chez les marabouts, puis les futurs, là-bas, vous n'allez pas me dédain. Mais quand j'ai fini la nuit, j'ai fléchi mes deux genoux, puis j'ai pris mon Dieu. Alors, où est-ce arrivé là, actuellement là, ne tentez même pas, parce que je suis dans ma zone rouge, oui. Là, je suis déjà en connexion avec Dieu. L'esprit de Dieu me parle tous les jours. L'esprit de Dieu me dit que lève-toi et puis prie. Mais quand c'est comme ça, qu'il me dit, lève-toi, prie là. Il dit que c'est comme si c'était attaqué. Parce que mon esprit me prévient en même temps. Matin là, il dit à 10h, quand je me suis levé matin là, voilà, bombardé dans la maison. Parce que l'esprit de Dieu me prévient pour dire lève-toi, va prier. Ils sont assis sur toi. Ils sont détruits quelque chose. Ils sont chez les marabouts. Lève-toi et puis combattre tout. Et puis, monsieur, depuis, il revient à combattre. Donc, actuellement, je suis dans ma zone très rouge. Vous me voyez que je suis calme du matin un peu là. Et je suis dans ma zone. Quoi, la nuit, encore, il est bombardé sur toi. Il te prévient en même temps. La nuit là, tout ce qui est mauvais là, il était bombardé. Ce matin, il a bombardé ton nom. Parce que quand je suis couché, c'est l'esprit de Dieu qui me dit, tu as voulu m'appuyer. Moi, il y a intuition. L'esprit de Dieu me parle. Donc, je vous préviens en même temps. Tout ce que vous avez fait à Laurentia, les théissons, les quoi, je vais aller témoigner ce jour-là. Et c'est moi-même qui dis que j'ai appuyé mon pied comme ça. De la manière qu'elle a appuyé son pied, elle a pris Laurentia pour aller à la police.
pour dire le reste, porte plus ta Sylvia là. C'est comme ça que je vais appuyer aussi. Pour dire le reste, vas-y. S'il faut qu'il y ait mise dedans, s'il faut qu'il apporte mon soutien à le reste pour prendre son avocate, viens le faire. Voilà. Elle pour elle, dent pour dent. Et on prévient en même temps. Ben, le jour qu'elle a dit à l'Orestia, cette fille que vous traitez au lieu de Gabonaise, vous traitez tous les noms, quand elle a dit à l'Orestia, va porter plainte. Et puis l'Orestia fait le poste ici pour dire, ah, je suis allée porter plainte à la demande de Vanessa Keita contre Sylvia. Vous avez acclamé. Vous avez applaudi. Vous avez dit, wow, c'est bien. Wow, c'est fort. Wow, c'est... Je viens, je vais prendre mon téléphone pour vous montrer. Je viens d'abord. Le téléphone de la chambre là-bas. Je vais vous montrer la plainte. Je vais vous montrer la plainte. En effaçant les coordonnées de Lorestia Grams. Il y a bien les amis. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer la plainte. Avec une musique, en fait, arrêtez. Si je paye. C'était pièce 43. La pièce, c'est la pièce 43. Pièce 43. Mets ça ici. Attendez. Voilà, pièce 43. Plainte, la Bumba. Je viens. Voilà. Pièce 43, l'an 2021, le 28 septembre à 10h22, c'est là qu'on m'a porté la plainte. Je viens, oui, c'était la dernière pièce, parce que quand le reste a porté la plainte en question, elle a pris la plainte, quoi, Dieu a pris la plainte pour envoyer ça en justice. Donc, mon avocat a reçu et puis m'a envoyé. Je vais vous montrer la plainte. J'attends, je vais pas effacer les informations de Laurence. Il a caché les informations de Laurence. Je vais vous montrer seulement, je n'ai pas envie de montrer ça dans les maisons, tout ça là. Il y a des choses qu'il doit cacher avant de... au procès. Voilà. Je sais que vous voyez bien. Voilà ça qui est là. Attendez, je vais mettre la lumière comme ça. Voilà. Voilà ça qui est là. L'an 2022, le 28 septembre à 10h22, nous, Aurélie Beaufort, brigade de police en fonction à Saint-Geneviève-des-Bois, agent de police en résidence, nous trouvons au service agissant en matière d'enquête préliminaire, vu l'article commissariat, sur identité de... Attendez. Attendez, je vais accéder après la partie là. Et puis, je vous montre bien. Voilà, où ils ont écrit le reste à Matron là. Et puis après, je vous montre le reste de la plainte. Pour vous montrer combien que j'ai été... Que... On m'a porté plainte. Voilà. Voilà. Voilà ça qui est là. Sur son identité, je me nomme la Bouba Laurent, sa épouse Matron. Vous avez vu la plainte? Voilà. Je vais aller ici. Voilà. Vous voyez? Attendez. On va. Voilà. Voilà. Voilà la plainte. Je vais vous lire ça aujourd'hui. Je vous ai jamais lu ça. Voilà. Vous voyez mon nom, non? Sur les faits, je suis dans le conseil de l'image. Derrière celui est une personne qui est une de mes clientes qui est actuellement en justice pour des faits d'harcèlement. Le jugement est prévu en... Elle allait te raconter tout ça là-bas. Le jugement est prévu en octobre. Dès qu'elle s'est rendue compte sur les réseaux que je travaille avec Madame Kwadjo Emmanuel, elle a commencé à s'acharner sur les réseaux sociaux. Donc voici la plainte qu'elle a. Voilà, je pense que vous les Ivoiriens, quand vous faites votre truc en question, vous pensez que c'est moi. Mm-hmm. Regardez, vous voyez, hein? Et puis comment elle fait là, c'est que je suis sorcière. Sinon, au moment qu'elle était, elle faisait ça, elle faisait le reste, elle était Jésus. C'est ça, non? Quand elle faisait le reste, elle était Jésus, non? Ok. Allez, je vais mettre la lumière. La lumière est trop forte. Quand elle faisait le reste, elle était Jésus, non? Vous l'avez acclamé, non? Ce jour-là, le reste est sorti pour montrer qu'elle a porté plainte contre moi. Vous l'avez acclamé. Cette plainte en question est arrivée dans mon dossier de tribunal. C'est-à-dire, elle et Mme Kwadjo, c'est-à-dire, j'ai eu un problème avec elle.
elle dit à Laurence, elle va porter plainte contre Sylvia. Et puis j'ai acheté mon dossier. Parce qu'elle avait un dossier très faible. Elle prend les gens pour aller porter plainte contre moi. C'est en cela que c'était la dernière pièce. C'est en cela que ça arrive à mon dossier en tant que pièce 43. Comme Dieu ne dort pas. Comme le karma existe. Comme le karma existe. Dieu dit que tu l'auras. Donc, mais moi par contre, je vais dire la vérité. Donc, dans le procès qui va engager Lorenza Glam et Emmanuel Keïta, je serai témoin oculaire. Oui, oui, le 7 d'Emmanuel Keïta, comment est-ce qu'elle procède? Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle diffame sur les gens? Vous savez très bien que Kouadi n'a pas d'entreprise ici en France, mais elle a ouvert son gros con, son gros nien pour dire que oui, elle a entreprise et vous m'avez volé dedans. Oui, oui, j'allais dire ça là-bas. Parce qu'il faut qu'elle montre aussi comment la voit dans son entreprise. Il faut qu'elle déclare. C'est là maintenant que ça a commencé. Son affaire de je suis entrepreneur, j'ai entreprise en France ici, j'ai commerce là. C'est maintenant que ça a commencé. Comme c'est elle qui emploie les oh, ma banadie employée. Elle va prouver ça par A plus B. C'est-à-dire ce procès est un procès administrativement parlant des entrepreneurs. C'est-à-dire cette diffamation d'une personne qui est dit employée. Elle va montrer à la France où elle sort, comment elle emploie les gens ici. C'est ça qu'il s'agit. On ne mélange pas. Vous ne maîtrisez pas la justice. Vous parlez beaucoup. J'ai mis mes organes, j'ai mis mes pieds, j'ai mis tout. Si Laurence dit, elle veut parler, j'ai dit, vas-y. Oui, oui, oui. Vous avez harcelé Laurence Glams. Vous l'avez insulté. Vous l'avez traité de tous les noms de théisson, de je ne sais quoi. Elle a quitté les réseaux sociaux, elle s'est reposée un peu. Mais comme elle travaille sur Internet, elle est revenue et elle a dit qu'elle s'occupe de son travail. Malgré qu'elle a dit qu'elle s'occupe de son travail, vous avez continué à faire des posts sur elle. Mais je tenais à vous dire qu'elle ne vous répondra pas. Et je tenais aussi à dire que, à toutes ces personnes qui soutiennent leur Instagram, de ne plus parler de Kouadio. Oui, oui, oui. De ne plus parler de Kouadio. De ne plus même prononcer son nom. Parce que l'affaire sera injuste. Mais que tu vois, c'est chinoiserie, c'est Alibaba. C'est pas la marque française. Elle me dit que non, c'est la marque française. Au lieu de me montrer, de montrer à la nation, de montrer à la population. Parce que chez nous, en France, ici et dans le monde, la contrefaçon est interdite. Parce que ça peut gâter la peau des gens. Oh, de montrer ses factures, de montrer l'endroit où elle a payé les produits en question, elle a préféré m'insulter. Donc, c'est dans un jus là qu'on est. Elle n'a qu'à le tribunal encore. Je vais lui répondre bien. Donc, je vais l'insulter matin, midi, soir. Et elle a bas mon cou, matin, midi, soir. Elle est en train de se plaindre. Je suis prête pour elle. À tes pipi, à tes papas. Où elle a menti sur les juges. Tout ça, les vidéos, elle a gardé. Moi, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'enregistrements. Elle me connaît. C'est elle qui allait prendre une vidéo de Francine Bas pour envoyer en justice. Et puis, on dit, c'est moi, elle veut être malade. Et je dis, mais c'était malade, c'est ça, c'est Francine Bas qui a parlé. Non, on a écrit que Emmanuel Keïta, c'est moi, j'ai écrit, c'est ma page. C'est mon compte, c'est pas pour moi. C'est Francine Bas qui a parlé. C'est elle qui prend les vidéos et puis elle dépose dans le tribunal. Il ne faut pas diviser beaucoup. Il prend un petit truc, il ne même pas. Et puis ça ne joue pas. Ou elle est sortie pour gueuler dans sa gueule qui pue là. Voilà, c'est ça. Et puis pour la finale, même, elle m'a dit, puis m'a dit, oh, j'ai aimé, puis j'ai adoré. Quand elle là, j'ai acclamé, puis j'ai adoré. On m'a dit, ouais, depuis ce jour, n'est pas que c'est elle. Je la traite dans tous les sens. Parce que quand tu en manques d'arguments et que tu n'arrives pas à démontrer que tu es dans la vérité, tu te mets dans les injures. Et moi aussi, là, quand je te mets dans les injures, je sais faire ça bien. Donc voilà. Donc elle a préféré me parler en injure. Donc c'est dans ça qu'on est. Elle n'a qu'à se plaindre où elle veut. Donc je disais que la plainte est contre elle. Pour ceux qui pensent que c'est de l'amusement, ce n'est pas le temps de conjuguer. Vous, quand on parle, vous dites non, est-ce qu'elle a dit le non? Allez-y en justice. Commencez à cotiser pour elle. Et commencez à lui donner des belles billets d'avion. Oui, oui. Emmanuel Keïta, il te dit qu'il te fait la promesse. Tu t'assis sur un plateau ivoirien pour dire que tu as une carte de 10 ans. Comment quelqu'un qui a une carte de 10 ans, depuis 7 mois bientôt, tu as laissé tes enfants, même pour venir les voir et puis retourner, tu es incapable. D'abord, de un, tu n'as pas de bestes. Tu es sans papier, tu es bloqué en Côte d'Ivoire. Et cette plainte-là, elle va arriver. Que tu sois là ou pas, tu seras jugé. Sache-le. Que tu sois là ou pas, tu seras jugé. Et si tu as été jugé et que tu es condamné, quand tu vas rentrer en France, là, on va t'attraper à l'aéroport. Et quand tu seras condamné, là, ton nom sera écrit dans toutes les administrations judiciaires de la France. Comme wanted. Quand tu as franchi l'aéroport, ou même peu importe la voie, il faut faire français en question, tu seras chopé.
Au calme, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc, comme tu as 10 ans, mon combat, tu vas te retrouver au fin fond du pays que vous appelez, que toi et puis ta team avaient dit que c'est un pays insécure. Je vais te faire retourner au fin fond de la Côte d'Ivoire avec tes batrentiers. Au fin fond de la Côte d'Ivoire. Comme ce que tu as voulu faire Aïcha Dumondé. Tu seras au fin fond de la Côte d'Ivoire et je vais te laisser manger ce qui t'accame aujourd'hui. Quand vous êtes en train de vous en train d'être mangé, et je vais vous regarder, puis je vais commencer à rire. Parce que ceux qui t'attendent aujourd'hui, ceux qui sont avec toi aujourd'hui, tu les mangeras demain. Tu es une ingrate, tu es une mauvaise personne, tu as un démon en toi. Un démon de la méchanceté. Celui-là même qui prend, ça y est, ton démon qui est en toi, il prend plaisir à faire du mal à ses bienfaiteurs. Et ceux qui sont eux qui t'ouvrent les portes en Côte d'Ivoire, tu vas les manger. Ce n'est qu'une question de temps. Quand tu t'es cool, connaissais, puis tu jubilais. Oh, j'ai reçu. J'ai oublié la reçu. Elle est en train de où? Aïe, aïe, c'est gâté où dans ta main. Tu vas te faire reculer au fin fond de la Côte d'Ivoire. Tu seras assise au fin fond de la Côte d'Ivoire. Tu vas me regarder comme ça. Et puis, j'ai brillé sur la France, moi seul. J'ai plongé dans la France, moi seul. Je vais vivre tes rêves européens. C'est ça qu'il s'agit. Parce que je sais que tu ne pourras pas rentrer en France ici. Parce que quand même, tu as confirmé dans sa gueule que tu fais employer les gens au black. Et il y a un témoignage qui est là. Et il y a un enregistrement que j'ai de ta nounou encore qui prouve que tu la payes 500 euros au black. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi je sortirai ce jour-là, pour être le témoin. Lui, le veut. Tu me connais, non? Quand tu as peut-être plainte aux filles en compte, tu as peut-être des compléments alimentaires. Oui, oui, oui. Quand je te parlais des produits de santé d'Ariel en question, je ne prends pas mes compléments alimentaires d'abord. Je préfère venir devant vous boire mes compléments alimentaires pour vous montrer comment ça est. La poubelle est loin là-bas. Voilà. Celui-ci que je viens de boire, je mets ça ici. Celui-ci que je viens de boire, on l'appelle le complément alimentaire Cucuma d'or. Il permet à la peau de briller, de donner une belle teinte. Vous voyez ma peau brille. Voilà. Ma peau brille, ma peau est belle. De briller, de bien apporter un très beau éclat à la peau. De l'éclaircir naturellement. Ça, c'est pas la naturation. C'est pas l'éclaircissement agressif, mais c'est l'éclaircissement naturel. Et ce produit Cucuma d'or vient des senteurs d'Ariel. Voilà. On a aussi le, comment on appelle ça, le complément alimentaire belle peau, celui que je tiens entre mes mains. Voilà, donc je vais casser ça rapidement, comme ça. On prend une jolie par jour. Le Cucuma d'or, une jolie par jour. Un paquet, vous faites 10 jours. Vous faites un traitement de 3 mois. Vous allez avoir une très belle peau. Une belle peau éclatante. Le, comment on appelle ça? Le Cucuma, comment on appelle ça? Le complément alimentaire belle peau. Vous, le gel douche est dans la douche là-bas. Je me lave ça. Maman, le gel douche de la tomate là. Je me lave avec ça, mon cher. Voilà, j'envoie une seule bouteille. Ça est dans la salle de bain là-bas. Je me lave avec ça. Donc, le gel douche fait à base de tomate en question, il est très bon. C'est pour tout type de peau. Vous pouvez le panacher avec votre savon. Ça, vous l'avez souvent avec votre savon. Et puis, souvent aussi, vous prenez le gel douche. Ça, c'est pour les filles qui sont claires. Maintenant, si tu es noire en question, tu utilises que le gel douche à base de tomate. Il va te rendre la peau bien, te nettoyer en dehors de toute la saleté. Les peaux moussent ton corps bien. Et puis, ils moussent bien. Ils sont très bons. Et quand tu finis, ta peau ne glisse pas. C'est pas les gel douche. Quand tu mets ta peau glisse encore, tu as envie de te laver pendant 20 fois pour que ta peau soit bien. Non. Lui, quand tu le laves une fois, tu finis, c'est propre. Et les savons. On a tout type de savon. On a aux carottes. On a au propolis. Moi, le propolis, c'est ce que j'aime beaucoup. Parce que quoi? Le propolis en question, avant de me laver, je me lave pas avec. Hein. Je mets sur mon visage. Je laisse reposer pendant 15 minutes. Je prends aussi. Je mets sur mes cuisses, sur mes pieds, sur mes fesses bien pendant 15 minutes. Et quand je finis, je me lave avec mon savon éclaircissant qui est là. Parce que le propolis en question enlève tout ce qui est acné, problème de peau, petits boutons, petites taches, tout ça. Ça y est, là, tout ce qui est problème dépigmentaire, ça finit tout. Moi, c'est mon préféré qui est là. Vous pouvez avoir d'autres savons qui vont aller avec votre peau. Et on a aussi les savons à base de citron. Il y a plusieurs gammes de citron. Les savons à base de bave d'escargot. Voilà. Tu as les végétaux, tout ça. Tu mets sur tes végétaux bien, tu frottes, tu lèves. Il y a des savons un peu abordables. Et c'est des produits faits à la main de manière artisanale. Je vous le dis en vérité. C'est des produits faits à la main de manière artisanale. Oui, testés ici en France. C'est du Made in France, les amis. Je vous montre les bonnes adresses. Tu es noir. Tu es teint clair.
Ma chérie, tu cherches les bons, les meilleurs produits. Je te donne la direction. C'est le centre d'Ariel. Tu es sur Paris. Tu es en France. Tu cherches une boutique bio avec des produits bio, des bons produits qui sentent bon. Pas les senteurs bizarres. Il faut aller au 45 boulevard de Strasbourg, Paris, dans le 10e arrondissement. Quand tu vas t'arrêter au 10e arrondissement, en face, tu vas voir les senteurs d'Ariel au 45 de boulevard Strasbourg en question. Et ceux qui ne sont pas ici en France, mais qui veulent avoir les savons en question, qui veulent avoir vois les produits de senteur d'Ariel. Tu es en Suède, tu es en Europe du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, aux États-Unis. Oui, vous, mes abonnés des États-Unis en question, vous voulez aller sur le site internet les senteurs d'Ariel. Vous allez avoir vos produits en question. D'accord? Vous partez sur le site, vous n'arrivez pas à commander, il y a des problèmes, c'est bizarre, vous ne comprenez rien, vous voulez plus d'informations, vous voulez qu'un service clientèle vous dise un peu plus, vous en dise un peu plus sur les senteurs d'Ariel. Les amis, attendez, je cherche le numéro des senteurs d'Ariel, je cherche le numéro. Oui, parce qu'il y a un numéro pour composer, il y a un numéro pour appeler, il y a un numéro que vous devez prendre pour prendre les renseignements, pour que vous savez, ah, mais qu'est-ce que ça en fait? Parce que souvent, quand tu vas acheter les choses, je répète encore, le numéro de service clientèle pour avoir plus d'informations, c'est le plus 337 83 49 05 68, les amis. Quand je parle d'un produit, là, je l'utilise. Vous voyez, mon savon de truc, là, c'est dans la douche, je ne vais pas aller chercher ça là-bas. Je l'utilise, c'est des produits que j'utilise beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous dire que ce sont des produits qui sont vraiment bons. C'est des produits qui sont très, très bons et ça sent vraiment bien. Il y a des savons parmi eux, comme le savon au jasmin. Quand tu le prends, tu te laves la nuit avec ça. Tu n'as pas besoin de te parfumer. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose sur toi. Quand tu vas dormir, ton bébé lui est content parce que tu as une bonne odeur. Une femme doit se sentir bon. Allez payer vos savons. C'est pour tout type de peau. Voilà. Ce n'est pas des produits agressifs qui agressent la peau. Non. Le pH est respecté aux normes européennes. Voilà. Pour la première fois dans notre vie, pour la première aujourd'hui, dans notre vie ici, il y a des Africaines. Il y a une Africaine qui a décidé de respecter tout ce qui se fabrique en France ici en fonction de votre type de peau. Donc, allez-y et puis choisissez vos savons. Pour ceux qui veulent avoir les savons de visage en question, il y a ce savon aussi qui est là qu'on appelle vitamine C. Il est où? Je suis allée le garder. Regardez. Ah, ok. Il n'est pas là. Ah, il est là. La vitamine C. Celui-là en question. Vous voyez. C'est un savon qui est bon pour le visage. C'est un savon éclaircissant. Vous pouvez aussi vous laver aussi avec ça. Voilà un peu. Donc, allez contacter les amis de Vette. Allez prendre les produits. J'ai testé. J'ai vu. J'ai vu. C'est du bon. Franchement, c'est du bon. Vous n'allez pas taper pour tout. Musique en question, il faut stopper un peu pour donner une vie à la peau en question. Pour que la peau puisse revivre bien, pour avoir une très belle peau. Quand vous me voyez comme ça, puis je mets mes bras dehors, je mets mon corps dehors. Ah si, j'ai une belle peau. C'est ça le secret. Parce que moi, je vous ai dit qu'au départ, je prenais les beurres de karité, tout ça. Il y a des personnes, les beurres de karité les noircissent. Tu veux pas, tu prends ça. C'est ça mon question. Ils vont pas te noircir, ils vont pas t'éclaircir au-delà. Voilà. Ça y est, tu prends ces savons en question, c'est un plus que tu apportes à ta gamme. C'est un plus que tu apportes à ta gamme. C'est un plus que tu apportes à ta gamme. Tu peux prendre tes produits éclaircissants et puis continuer avec les savons en question. Pour apporter un plus à ta peau. Tu es noir. Tu cherches un bon lait. Tu cherches des bons savons. Tu es fatigué d'aller prendre les savons Nivea, les Banatou. Tu prends ta peau est bizarre. Toi qui es noir là, viens prendre les savons. Tu vas voir que ta peau sera bien belle. Ça va embellir encore ta peau. Ça va donner l'éclat à ta peau noire. Oui. Quand, dans une gamme de beauté, quand tu trouves un bon savon, c'est l'idéal. Voilà pourquoi j'ai choisi les senteurs d'Ariel. Oui. Les senteurs d'Ariel. Toujours, je vous donne les secrets ici. Donc, prenez votre savon. Moi, la nuit, là, je vais prendre mon propolis en question. Alors, quand j'ai fini mon live, là, je prends mon propolis, je le force mon visage, je le force mes couilles, je le force mes pieds. Et puis, je vais me laver avec mon savon éclaircissant que j'ai là-bas. Hier, je me suis lavé le gel douche. C'est hier, quand je me suis lavé le gel douche, là. Aujourd'hui matin, je me suis lavé le gel douche. Je me suis lavé mon savon éclaircissant. Demain, là, je me lave avec le gel douche. C'est comme ça, ça y est. Donc, j'ai mis tous les numéros. Tout est là. Il y a des vrais teintes de chez teint. Il dit, les familles de fêtes sont fructueuses. Elles sont les teintes. Hein? Ah, en tout cas, vous avez joli teint. Voilà. Donc, allez payer. Vous allez avoir encore bon teint encore. Voilà. Donc, les amis, vous qui me suivez, j'ai fini ma pause publicitaire. Je me cherche mon jet. La vie, c'est ça aussi qui est là. Vous pensez comment on s'amuse? On ne s'amuse pas. Voilà. La vie, c'est les gigas. Donc, Kouadjo. Vous qui allez venir défendre Kouadjo, parce que moi je sors pour vous prévenir toujours. Parce que je vous préviens, vous venez dire que c'est amusement. Non, c'est amusement. Non, elle s'amuse. Elle peut rien créer. Elle peut rien faire. Mais quand
boum, dans la rue, maintenant vous pleurez. C'est-à-dire que non, les juges ont dit que vous allez vous mentez sur les juges. Que oui, on allait en justice là-bas. Les juges ont dit que oui, elle est folle. J'ai dit au juge qu'elle est folle. Et puis les juges ont dit que non, elle n'est pas folle. Je fais la messe. C'est-à-dire, vous n'avez jamais été présent à vos procès. Mais c'est vous qui venez dire que. C'est vous qui venez dire que. Les juges ont dit que vous. C'est tellement que vous mentez. Donc, c'est plus la peine de mentir. Commencez à trouver les preuves où Laurence était cuisinière de quoi, juste en son oblat. De toutes les manières, elle est condamnée. Parce que son oblat ici en France est condamnable. On appelle ça dissimulation de travail au black. Et maintenant, elle dit que Laurence était sa chargée de communication, non? Elle doit la payer. Ouais, maintenant, si tu dis que Laurence était ta cuisinière, tu dois la payer. Tu dois montrer le salon en question. Oui, même quand on paye au black, on laisse des traces. Pour prouver qu'il a payé la personne. Voilà. Condamné, tu seras jugé. Et je vais te dire une chose encore. Les juges, là, ils n'aiment pas quand il y a plainte et puis les 5 ans. Quand tu n'es pas les portes de juge direct, ils n'aiment pas ça. Hein? C'est une foutaise. C'est-à-dire, si tu n'es pas pendant au moins 10 ans de prison, là, ils te prennent en même temps. Le jour qu'on te dit, ah, ta plainte est là, il faut faire tout pour être prêt au tribunal. Parce que quand les juges jugent que la personne n'est pas là, ils n'aiment pas ça. Hein? Ils n'aiment pas ça. Hein? C'est-à-dire, si tu veux qu'ils te donnent 10 ans, là, il ne faut pas venir. On peut s'asseoir comme ça, mentir à la télévision, mentir, ça y est, tu n'aimes pas chercher des points, et puis tu dis, oui, j'ai une carte de 10 ans, mais non, 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 oui, ils avaient quand même raison, oui, parce qu'il y a mis toutes tes réceptions dehors, donc tu es obligé de dire que oui, ils avaient quand même raison, non, c'est les rendez-vous, ça y est, toi, depuis quand tu es fini, hein, c'est les rendez-vous, oui, les rendez-vous, voilà, Mouloukoukou aussi, voilà, ça y est, toi, Mouloukoukou, tu n'es pas là à l'école, tu n'es, même si tu n'es pas là à l'école, tu peux pas réfléchir. Hein? Oui, non, les rendez-vous à la préfecture, les rendez-vous à la préfecture, on fait que, oui, je n'ai. Elle ne peut pas prendre rendez-vous parce que son titre de jour est inexistant. Quand elle doit prendre rendez-vous, là, c'est peu le temps qu'on fait. Elle fait marathon. Nous, on a assis, quand on tape sur le truc, là, on tape Anef. Voilà, on va taper Anef. Tu vois, taper Anef, tu vois que mon nom a sorti. On tape, on vient sur Google, on tape Anef, comme ça, mon compte. Voilà ce qu'elle a, je tape comme ça. Tu vois, ça a sorti. Regarde. Souvent, ça tourne, tourne aussi. La dame, ça tourne, tourne jusqu'à fatiguer. On met 20 nuits. Oh, c'est la nuit. Quand il fait nuit, ça ne sort plus. Donc, elle s'assoit pour dire qu'elle a la carte de 10 ans. Et puis, vous êtes assis, vous dites, oui. Eh, les gens disent, mais c'est toi. Toi, Karine, elle était dingue, d'abord. Tu as compris la histoire. Elle était bien frôlée, tu n'as pas de mal. Faut t'asseoir quand tu m'as parlé de mon affaire. Ça y est, quand on dit mon affaire, dans... faut t'asseoir à la télé. Et puis, tu penses que non. Tu as croire que non, comme tu as la tête, tu as tout le pouvoir. Moi, elle a dit que. Moi, le lieu que vous devez parler de moi sur votre plateau minable, hein? Demandez-moi la personne d'abord. La personne qui s'est livrée pour parler de moi sur votre plateau. Il y a vous, pas mon goût. Vous avez compris, non? Tu as ouvert tes crocs pour dire oui, ils ont dit, mais c'est toi. C'est ton dernier qui a dit, mais c'est un imbécile là. Où est l'amitié là, aujourd'hui? Ton amitié de racolade que tu viens de où ça va aujourd'hui? T'as jeté. Hein? Tu courais derrière elle, hein? Pourquoi tu es seul maintenant? Pourquoi tu vas continuer à elle, votre amitié bas pied là? Hein? Papa, toi, Jairi, on dit, va travailler dans la travail. C'est dans de coller à elle. Quand enfant de pauvre, comment ta place? Comme ils ont dit, mais c'est toi, hein? Ta mère, quand Karina se dit, c'est moi qui dis ça. Tu n'es pas envoyé de parler de moi à la télévision. Tu n'es pas allé à l'école pour parler de moi à la télévision. Oui, oui. Tu es blogueuse à la télé. Moi aussi, je suis blogueuse aussi de ma télé. De la manière que la AK dit que, on est des journalistes, on est des tant, on a les mêmes droits que vous qui êtes à la télévision. Là. C'est moi qui m'intéresse ici. Tu parles de moi sur un écran, je parle de toi sur un écran. Tu mens sur moi sur un écran et t'es juste sur ton dernier ici. Et puis ça ne chauffe pas. Ok? Plus jamais tu vas parler de moi. Ok? Plus jamais tu as parlé de moi sur ce plateau misérable où vous ne faites pas d'enquête, vous ne réfléchissez pas, vous assistez Facebook, vous êtes les belles, vous faites du racolage, vous assistez sur un plateau minable. Où est l'amitié là aujourd'hui? Votre amitié bancaire cousine de la veille, où ça est aujourd'hui? Tu n'es plus à elle. Vous ne courez plus ensemble. Tu m'as fait ton fils maintenant. Quoi, des misérables comme cela. T'as d'ailleurs, toi, on ne peut pas faire la télévision. Si c'est pas pour aller baiser un mari des gens, et puis moi, prendre une maison pour vous donner, payer votre pour donner, vous, toi, t'as même salaire que moi. Tu peux être comme moi. Moi, c'est mon salaire qui me nourrit. Hein. Ton minable salaire que tu gagnes à la télévision, moi, je peux te faire 10 000 fois que ça. Il ne baisse pas le mari de quelqu'un, il ne baisse pas le de quelqu'un. C'est l'un des choses qui est gâteau. C'est José qui prend un mari déjà pour afficher, pour mettre sur sa tête. Sinon, vous, tout là, vous êtes baiser de mari des gens. Vous mougoussez un mari des gens. Hein? Comme vu mon sous-gardien dit, il y a papa qui est. Vous êtes des maîtresses attitrées. On vous connaît. Il y en a une comme cela. Il dit toujours qu'elle est pas pour elle. Mais elle, là, j'ai un respect sur Fizas. Elle était notre voisine. Oui, oui, oui. Elle va à Malaisie, c'est de toi qu'elle parle.
Au lieu de faire un bel produit, mais je te casse beaucoup. Pardon, Eva, pardon. Mais elle casse un peu. Eva, mamie, et puis elle casse un peu. Elle casse un peu dans le respect, tu vois, non? Elle te met en haut. Parce que tu es une fille. Tu es une fille très bien. C'est seulement bien. Eva, mamie, quand vous voyez là, on dit que oui, elle est gonflée. Eva n'est pas gonflée. C'est tata Naomi qui est gonflée. Eva n'est pas gonflée. Eva, mamie, là. Quand vous la voyez comme ça, là, elle est bien, polie. Quand elle te voit dans la rue, bonjour ma chérie, bonjour ma. Un jour, Eva, mamie, passait. Et elle était devant mon portail comme ça. Et puis, Eva, il dit, garçon pigeon, elles font pas achat chez Desi 2 à 5 francs. Viens te montrer comment les Eva Mané ont fait. Eva Mané est assise au balcon. Et puis il regarde comme ça. J'attends, je l'ai au portail. J'ai tiré mon cou comme ça. Parce que j'étais dans la galerie du quartier. J'ai tiré mon cou comme ça. Il est au portail là-bas. Dans le grand portail comme ça. Voilà, Dumba Kamen d'Otak. Au cas de quoi qui venait. Je regarde, je tire mon cou. Au cas de quoi arrive. Au cas de quoi arrive. Il dit, au cas de quoi ça, c'est qui audio. Il y a voir au cadre de poste en garé à côté de notre maison sur la voisine Eva Mané. Il dit, hé, yeah, un petit pilote est enfant, hein. Eva n'a pas dit le reste qu'elle est là, hein, tu vois, non. Il dit, c'est qu'elle est bien. Tu vois, non. Il dit, c'est qu'elle est bien, c'est qu'elle est bonne. C'est qu'elle dit, sinon, il sait beaucoup sur toi. Tu sais que, tu sais que, on sait qu'on sait. Il sait beaucoup. Moi, je suis la dinguerie. Quand elle voit les filles d'engrais, oui, elle est, moi, je connais tout mon secret à Bijan. Puis, je vais venir, c'est ça. Tout mon secret à Bijan. Je connais là-bas des plus fous longtemps. Et puis, c'est venu en France ici. Je dis que Eva Mani, je suis dans le coin depuis, hein. Eva Mani, il est là. Voilà, au cas de quoi que venait les fauteuils, les sables. Il dit, au cas de quoi, meubler sa maison. Eva, t'as du plaisir là. Hein, c'est dit. Ta maman habite au Pelle, non? Tu as une petite soeur qui est toi, ta maman. Je connais bien ta maman. Tu avais une petite fille. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais ta petite fille, tu la connais, non? La petite fille, jolie petite fille. Oh, tu me peut-être qu'elle connaît Casper. Il y a longtemps un peu. C'était en 2008 là-bas. La petite fille que tu as pris comme son enfant. Tu sais là, non? Tu avais ta. Chez toi, la maison là-bas. En haut, c'est deux chambres. 45. Notre villa était la villa 144. Bon, actuellement, c'est en location. Et la villa en location. Donc, tu te rappelles maintenant. Villa 145. La villa jumelée à la villa 144 en question. C'est là que tu habitais. Voilà. À la JB2. Tu vois maintenant, non? Il a dit, c'est de là que je parle. Il dit, en cas de quoi est venu, la petite fille, elle va manier là. Le monsieur a meublé sa maison de toutes les chambres d'en haut. C'est trois chambres. Il y a une chambre, c'est trois chambres. Il y a une chambre ici, chambre principale, sur laquelle, ça, il y a une chambre principale, il y a un balcon. Et puis, il y a une autre chambre ici. Et puis, il y a une autre chambre là. Et puis, il y a un petit, voilà. Il y a, c'est trois chambres. C'est trois chambres chez toi. Là, chez nous, c'est trois chambres en haut. Donc, je fais le truc, quoi. Tu vois un peu. Je me suis oublié, il dit deux chambres. Mais c'est trois chambres. Donc, il y a trois chambres en haut. La chambre principale, il y a le balcon qui sort dessus. Quand tu es sur ton balcon, tu vois dans le cou. Oui. Et quand moi, après, ma tante avait un grand balcon. Donc, elle, je suis au balcon du grand balcon. Je vois dans ta cou aussi. On se voit, on se voyait le truc. Donc, là-bas, là, c'est là-bas que Eva m'a dit. Le monsieur l'a payé à aucun déco. Il a meublé tout du haut jusqu'en bas. Meublé ça. Trois jours après, Eva Mané ne fait pas l'âme. Elle ne fait pas l'âme. Ah, c'est une heure, j'arrive à couper. Elle ne fait pas l'âme. Elle ne fait pas l'âme avec le monsieur là. Et puis, elle a tout cassé dans la maison. Le lendemain, le monsieur allait encore à Oka Deco. J'ai dit, voilà, Oka Deco. Monsieur était fan de lui. Un jour, je travaillais à la cave. La première case d'engrais là, chez les Ronato, où Ronato était avant. En ce temps, Ronato n'était rien à Bijan. Ronato, quand il n'y avait pas de Ronato, Ronato n'était personne à Bijan. Il suivait un peu les personnes qui ont tous les Guinness là. La case du bouchon, voilà, je me rappelle. C'est la case du bouchon, depuis l'été, et puis ton mari est venu. Il a assis, il dit, ah, tonton, tu prends quoi? Il dit, ma fille, il faut m'envoyer au Boubon. C'est-à-dire qu'il aime boire au Boubon, non? Il est déjà au Brio. À cause de lui, moi aussi, on a boire au Boubon. Quand je fréquente les riches, je commence à voir les composants des riches. Et tonton, tu bois quoi? Il dit, tonton, il dit, tonton, tu vois quoi? Il dit, tonton, fais la son âme. Tonton, tu vois quoi? Il dit, tonton, il dit, ma fille, après moi, oh, Boubon, il dit, ok. Ah, moi, je vais le prendre son argent, ah, moi, gagne le poids dans sa main. Il est assis là jusqu'à. On veut fermer quand le monsieur est assis. Voilà, Eva qui vient maintenant, sa petite voiture rouge dans le temps. Voilà, Eva qui vient maintenant, sa petite voiture rouge. Elle est la petite, elle est jolie, de Eva. Si tu vas teindre Eva, même, tu vas laver ça. Propre. Le monsieur est assis. Et puis, la gourmet de la petite fille là. Tu n'as rien, tu n'es rien. Les petites filles d'Abidjan, quand elles font déménagement, elles ont tout payé, elles vont à Oka Deco. Toi, tu vois, j'ai 2 à 5 francs pour meubler maison. Tu vois, quand même, la veuve t'a pris crédit pour payer un peu. Oui, il est décédé, ça fait quand même un bon moment. Il est décédé. Bon, je me limite à cela parce que je connais son histoire quand même. Quand il y a une des palettes, c'est qu'il connaît. Elle va se déparer, ça a manqué de donner ta pomade. Quand tu te pomades, fais un white là. Fais ce
elle marie des gens et puis elle dit qu'on regarde la télé. C'est une couverture. On vous connaît. C'est une couverture. La télé ne vous paye rien de bon. C'est une couverture. Vous pesez un mari des gens. Vous êtes des teasers. C'est pour Jésus qu'on connaît. Vous êtes des teasers. Non, faut pas dire son nom ici, s'il te plaît. Non, non, non. Attends, j'efface. Faut pas dire son nom. Voilà. Efface-moi ton commentaire, sinon je vais te bannir. Faut pas dire son nom. Je n'ai pas demandé qu'on dise son nom. Faut pas faire. C'est mon tonton chéri. Attends, je vais supprimer ton commentaire. Voilà, je masque. J'ai masqué, mais voilà. J'ai masqué, donc essaie d'effacer. Voilà. Voilà, oui, oui. Celui qui a le maquis, Dieu s'est versé dans la rue, princesse, tout ça, oui, c'est ça. Je dis, n'est pas dit son nom, non, vous n'avez pas compris. Effacez vos commentaires, n'est pas son nom ici. Vous aimez trop ça. Effacez son nom. Supprimez. Voilà. N'est pas son nom ici, hein. Respectez sa mémoire. Je ne veux pas que quelqu'un dise son nom ici. Respectez sa mémoire. C'est un petit Congo, ça. Voilà, arrêtez ça. Respectez sa mémoire. Ok? Sinon, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. Et il dit, quand on dit il n'y en avait pas. Oui, même si tout est sur Google, il faut rester sur Google là-bas et ça. Je ne veux pas qu'on dise son nom ici. Voilà. Je ne veux pas qu'on dise le nom du monsieur ici pour sa mémoire. Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà, donc effacer. Même si c'est sur Google, c'est sur Google là-bas. Et Kala, tu veux qu'elle mette un jour Olive Colombe. Toi-même, tu es venu pour rester en vie. Et Kala est éternelle. Nous tous sommes. Hein? Tu sais pas que nous tous sommes venus pour mourir. Et Kala, tu veux que lui aime un jour. Bête que tu sois, mouton que tu sois. Je ne la laisse pas. Viens me trouver, puis tu me dis de la laisser voir. Si tu as quoi en bas de toi, si ton cou n'est pas zébré, viens me trouver, Faf, puis tu me dis qu'il faut la laisser voir. Sale chienne que tu sois. Idiote. Viens prendre la caméra de ma main. Si tu es femme, que tu es vraiment fâché ton sale con là. Viens prendre la caméra de ma main. Idiote. Imbécile. C'est l'éternel là. C'est dans votre pays, aller sur le pays des merveilles là-bas. Nous tous allons mourir. Toi-même, tu vas mourir. Elle n'est pas éternelle. Je réponds à la question. Non. Donc prends ton coin et puis va-t'en. Mouton là. Donc les amis, voilà c'est un peu. Donc toi, Karina là. Voilà, en être mon nom dans ta santé. Moi, on m'a pris avec diplôme. On m'a pris avec mes compétences. Toi, on t'a pris à la télé parce que toi, tu es connu sur Facebook. Sans diplôme, sans identité, sans rien. Parce que tu es connu sur Facebook, on t'a débrouillé à la télévision pour lui viens parler. Voilà pourquoi tu ramasses béret sur Internet. Ça y est, tu peux prendre ta caméra pour mettre ta caméra. Ça y est, tu vas parler hein, pour faire béret. Et puis, toi, on te paye. Facebook va te payer. Hein. Mais tu peux aller travailler pour quelqu'un. Et puis, ça y est, les vues appartiennent à personne. Mais on te paye un minable salaire. Moi-même là, quand je place ma caméra à ma télé ici là, mon salaire que je gagne dans en fait des caméras que je passe, c'est encore plus lourd que ton salaire que tu gagnes à la télé là-bas. Ça y est, si on met notre télévision toutes les deux là, tu parles de moi à la télévision. Plus jamais tu ôtes ta sale gueule pour diffamer sur ma petite personne. Plus jamais. Je ne suis pas ta camarade. Ok? Je ne suis pas ta camarade. Tu ne peux pas vivre en France ici. Vivre en France, ça va donner à tout le monde. Oui, oui, oui. Parce que ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en Europe, ce sont des femmes courageuses. La plus courageuse, Dieu a fait 15 ans en Europe et puis elle a été sans papier. Elle n'a rien fait ici, elle a vécu le pays. Voilà. Donc, je ne suis pas ta camarade. D'accord? Donc, les amis, voilà la mélo ce soir. Donc, je tiens à vous dire que, voilà, Dieu sera bel et bien plainté. Une station directe bien mise au point. Voilà. Donc, la lumière est lancée. Eva Merdès, son nouveau baiser, oh, on est là. Qu'est-ce qui va m'aider encore? Vous parlez de quoi même encore? Donc voilà un peu, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Voilà, j'ai fait le live bien. On se donne rendez-vous demain pour un autre live encore avec Kwadjo. On va lire Lucie demain. Voilà. Comme aujourd'hui, elle a fait des plaintes là. Il fallait que je vous parle de la plainte. Puis demain, on lit Lucie. Voilà. Donc ceux qui étaient contents pour dire, oh, elle reste là. Elle a laissé, oui. C'est pour vous. Elle dit qu'elle parle plus. C'est une faiblesse là. Oui, c'est une faiblesse. On se retrouve au tribunal. C'est ça qu'il s'agit. Il lui a dit que même si je suis seul, je continue mon combat. Et ce soir, je vais demander à tous ceux qui sont autour de Laurentia. Autour de Laurentia en question, de se calmer, de baisser les armes. Parce que vous risquez, par vos actes, vous risquez de capter sa plainte. Comment? Il y a voice, il ne joue pas voice et tout. Il y a le voice qui est là, c'est moi qui décide de jouer mes voice ou pas. Il ne joue pas, où est le morceau qui est là? Non, ça n'a pas de voice qui est là, un chien, un diamant. Faut partir. Il ne joue pas voice là en question. Ok? Il ne joue pas le voice. Si j'ai menti, va-t'en. N'importe quoi, c'est toi qui m'oublie à jouer mes voix. C'est toi qui m'oublie à jouer mes voix. Va prendre la voix, c'est toi à jouer. N'importe quoi. Demain, vous pouvez venir sur mon live ici. Ok? Ne reviens plus sur mon live ici. Ah, elle m'a dit que tu as joué une voix. Elle m'a dit que tu as joué une voix. Tu pleures quoi les voix? Hein?
Est-ce que tu ne toques pas papa, tu as compris dans ton corps comme ça. Elle m'a dit que, donc, depuis que tu as assis, tu me restes, c'est voice qui t'attend. Elle m'a dit que y a voice, c'est lui qui a menti. On peut pleurer pour les voix des gens comme maman. On peut pleurer comment pour les voix des gens comme ça, papa. Tu pleures les voix, tu pleures les voix de quoi? Hein? Tu pleures les voix de quoi, papa? Tu pleures les voix de là. Donc, tu as assis, ça, dans ta vie, c'est les voix, papa. Hein, diamant. Ta vie c'est la voyiste, tu as assis là, tu me Inio, tu as là, quand j'ai dit voilà, t'as dit que quand j'ai expliqué l'histoire, j'ai dit bon voilà, voilà la nouvelle, il dit mais vous la voyez là, elle a menti que... elle a menti, tu as menti que y a la voyiste. Vous avez dit, ouais, pas du boss. Donc, elle a dit, elle attend voice. Quand on a dit, bon, finalité, le live est terminé. Elle dit, mais tu as menti que. tu as menti que tu n'as pas joué la voice. ouais, diamant. Il n'y a pas voice, diamant. Demain, vous venez demain pour les voice. On a dépassé une heure de temps. Si elle joue voice là, diamant, on a dépassé une heure de live. Si elle joue voice là. Et puis je vais expliquer voice là, on ne va pas quitter ici. Donc demain, la fois revenir, viens jouer voice là demain. Viens expliquer le voice. Pas de voir tes fâchés. Bon, maintenant on a demain. On a demain. Vous les voyez. Vous voyez les abonnés là. Si je n'ai pas joué le voice, vous voyez. Comment vous voulez. Et puis, comment vous voulez qu'ils changent. Eux-mêmes, ils demandent voice. Faut juste dire, mais il y a oublié que je joue à voice. Et puis, elle me rappelle qu'il y a voice. Vous la voyez. Vous voyez les abonnés là. Ça y est, où est la cible là? Elle a fait dormir ses enfants. C'est qu'on joue. Donc, elle a dit non, qu'elle dormit. Elle a laissé son mari au salon, elle est dans la chambre, puis elle est couchée maintenant. Et puis, elle est comme ça maintenant, puis elle dindait. Parce qu'elle a le plaisir. Quand on joue voice, c'est bien entendu. Ça lui donne plaisir dans le corps, vous voyez. Yéli, vous avez 5 jours de repos. Bon. Qui vient d'arriver? Ah oui, non.